On a qui nous rejoignent sur Facebook. Qu'est-ce qu'on a? Hello, hello. Hello, hello. Vous êtes en avance. On va commencer à 15h. On attend que tout le monde nous rejoigne. On attend que le maximum nous rejoigne. On commence à 15h. Donc, je suis sur Facebook ici, à droite. Est-ce que vous m'entendez bien? On en profite pour faire une petite vérification technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le message passe? Ok, merci. Merci Marie-Abille, Aurélie, super. Et sur Facebook, on laisse encore 5 minutes aux autres FE pour qu'elles nous rejoignent. Okay. En attendant, je souhaite la bienvenue à toutes celles qui sont déjà là. Merci pour votre ponctualité. Bienvenue Chérifa, bienvenue Titel, Crazy Lash, bienvenue Beauty, Beauty by Asti, Didi Beauty, My Brown ZHR, Aurélie, Marie, Lily, Kiniel, Adriana, Marianne, Amina, ma petite famille, c'est mignon comme nom ça. Bienvenue Société ou STE Chou. Bienvenue Hasna. Hello, hello. Wow, vous êtes nombreuses déjà. Bienvenue Mars 28. Donc je vais épingler le sujet du direct en attendant. Donc 5 astuces pour élever ton image de marque en 2021. Voilà, parce que ces astuces marchent en 2021. Donc, je n'ai jamais essayé d'épingler. Je vais essayer ça. On va épingler. Bon, on dirait que ça ne marche pas. Coucou, coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Là, j'essaie d'épingler le sujet du direct en vain. On entend encore 3-4 minutes et on lance, ok? 3-4 minutes et on lance le direct. On attend. Donc, je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram. Coucou, coucou, coucou Maracuja, coucou Simple Mentalica. J'espère que j'ai bien lu. Coucou, merci pour les cœurs. Partagez aussi le direct. Partagez le direct à toutes celles que vous voulez inviter à écouter ce sujet. C'est très intéressant. Oh, merci Maracuja. Fallait que je me prépare, hein. On parle quand même de l'image de marque, on parle du branding. Donc, je dois montrer l'exemple. En attendant, pourquoi pas vous présenter un peu la structure de ce direct parce que j'ai pris des notes, j'ai vraiment essayé de structurer tout ce que je vais dire aujourd'hui, sinon ça ira dans tous les sens. Donc on aura une heure de direct ensemble, on va faire une partie présentation et une partie questions-réponses. Donc posez vos questions et à la fin de ma présentation, je vais lire toutes les questions et répondre une à une à vos questions. Et si vous voulez rejoindre le direct, on pourra aussi le faire à la fin de la présentation. Donc, on aura 30 minutes maximum de présentation. Et ensuite, vous pourrez rejoindre le direct. On pourra discuter. On pourra échanger sur différentes idées. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et ouais, on peut lancer, non? Il est 14h57. On attend encore les autres. On lance, mais on attend les autres.
Là, sur Facebook, je vois Daniel. Hello, Daniel. On lance, on attend les autres. Partagez le direct pour que les autres nous rejoignent. Pour que. Parce qu'après, le direct sera disponible 24 heures. Hein, le replay. 24 heures et puis, pouf, c'est plus disponible. Donc, partagez-le afin que plein de personnes nous rejoignent et qu'on puisse commencer dans 2 minutes. J'imagine que toutes celles qui nous suivent aujourd'hui sont soit des femmes entrepreneurs, soit des femmes entrepreneurs en devenir. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est d'où vous êtes en fait. Quels sont vos pays d'origine? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire quels sont vos pays d'origine? Que je sache un peu à qui je m'adresse. Donc dites-moi le pays à partir d'où vous me suivez actuellement. Et bienvenue encore à toutes celles à qui je n'ai pas souhaité la bienvenue. Hello, hello. Donc, quel est votre pays d'origine? Moi, je suis camerounaise, mais je vis en France. Ok, Isabelle dit France, Guadeloupe, France, Bordeaux. Ok, ouais, Bordeaux, j'aime bien la ville de Bordeaux. Marocain, je suis dans la ville de Québec. D'accord. France, Lyon. Ah! My brand, ça fait un lion. Ça veut dire qu'on est dans la même ville, toi et moi. On peut bien se voir, un de ces quatre. Réunion, France, Paris. Ouais. France, on voit qu'il y a beaucoup de France. Guadeloupe. Super. Et les autres, celles qui n'écrivent pas là, vous êtes de quel pays? Vous êtes dans quel pays actuellement? Il nous reste 1 minute et on lance le direct. On lance le thème. J'espère que les retardataires ont eu le temps de nous rejoindre. Congolaise vivant en France. D'accord. Cool. Hello, hello à toutes celles qui nous rejoignent. Ouais, je vois que maintenant beaucoup de personnes nous rejoignent parce qu'elles attendaient 15 heures alors. C'est super. Donc, je pense qu'on va commencer, hein. On va commencer sans plus tarder. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Isis et je suis la fondatrice de Femmes Entrepreneurs. En réalité, j'ai créé cette entreprise pour pouvoir partager mon expérience avec d'autres femmes, apprendre d'autres femmes et aussi être dans un réseau de femmes qui ont la même vision des choses que moi. Et voilà, aujourd'hui, après 1 an, ce que c'est une passion, c'est vous, c'est vos commentaires, c'est vos likes, c'est vos cœurs qui m'encouragent encore plus, qui encouragent aussi mon équipe, avec la petite équipe avec laquelle je travaille, à continuer à produire du contenu, à continuer à créer des formations, à continuer à faire des directs comme ça les lundis. Donc, merci pour votre soutien et d'être là. Le thème d'aujourd'hui, c'est 5 astuces pour élever ton image de marque en 2021. Donc, on parle de marque, ça veut dire que on parle pas seulement de ton produit ou d'un service, mais c'est aussi toi. Parce que la marque, selon le code de la propriété intellectuelle, j'ai pris la définition, une marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Donc, c'est pas seulement un produit ou un service, c'est aussi des personnes. Donc, toi, tu peux être une marque. Toi, tu es même une marque, en fait. Et ce que tu vends des produits ou des services, tu dois incarner, en fait, ta marque. Donc ici le but c'est pas de donner juste des astuces sur le plan visuel, graphique. Voilà, il faut faire telle charte graphique, avoir des couleurs comme ci ou comme ça. C'est plus dans le sens du fond que de la forme que je vais parler aujourd'hui. Donc si vous avez de quoi noter, c'est tant mieux. Donc prenez de quoi noter un petit carnet, un stylo, parce que je vais vraiment être très structurée et très je vais aller point par point. C'est toujours comme ça que je préfère expliquer les choses, point par point. Et quand on parle de marque aussi, on parle du why. Donc, on parle du pourquoi. Avant d'avoir une marque, ou même si tu as une marque, il faudrait que tu aies un pourquoi. C'est quoi ta marque? Qu'est-ce qui incarne ta marque? Qu'est-ce qui représente ta marque? Quel est le pourquoi de ta marque? Pourquoi as-tu créé cette marque? Quelles sont tes valeurs? Parce que c'est quand tu connaîtras le pourquoi de ta marque que tu sauras comment créer des contenus, comment créer tes produits, comment parler à tes clients, comment communiquer facilement et aisément à ta communauté. Donc il faut que tu aies un pourquoi. Ton pourquoi, c'est pourquoi j'ai créé cette marque, quel est le but, quelles sont les valeurs de ma marque.
Et à partir de là, le why, je veux dire le how et le what découlent. Donc le how c'est le comment et le what c'est le quoi vont découler. Donc la marque, c'est vrai, la marque c'est un concept un peu abstrait parce que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose de vraiment palpable. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, je vais entrer dans le fond et pas que sur la forme, pas que sur les couleurs ou sur les formes. Bref, on va vraiment voir le fond. Maintenant que vous êtes toutes là, on va aller point par point. J'espère que vous avez pris vos carnets pour noter sur les différentes astuces pour avoir une meilleure image de marque en 2021. Pourquoi en 2021? Parce que les astuces changent en fonction des tendances, en fonction de la technologie qui change. Donc, les petites astuces de branding qui existaient en 2010 ne sont plus d'actualité maintenant, par exemple. Tu vois, donc il fallait vraiment que je précise en 2020, en 2021, autant pour moi. En 2021, on sait tous ce qui s'est passé, hein, la transition digitale qu'il y a eu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de compétition, ce qui fait que beaucoup de gens se lancent en ligne, ce qui fait que c'est encore plus difficile de se démarquer. Du coup, la première astuce que je vous propose pour élever votre image de marque, c'est d'avoir un marketing authentique et exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un marketing authentique, ça veut dire que dans ton marketing, tu es toi-même. Aujourd'hui, les gens ne sont plus touchés par tout ce qui est trop retouché. quel jeu de mots. Les gens ne sont plus touchés par ce qui est trop retouché. Donc, les photos trop retouchées, quand tu fais tes photos et que c'est trop retouché, ça fait un peu trop fake. Les gens aiment bien ce qui est authentique de nos jours, ce qui est vrai. Un exemple, par exemple, c'est avec la marque Glossier, qu'on connaît toutes, nous les femmes surtout. La marque Glossier avait posté une photo sur Instagram de leurs produits sans filtre. Donc, ils ont filmé leurs produits dans une usine sans filtre, sans rien. Et rien qu'avec cette photo, ils ont réussi à avoir plus de 13 000 abonnés sur Instagram en 24 heures. Tout ça parce que leur communauté était habituée à voir des choses trop flashy, clashy, parfait finalement. Et le jour où ils ont posté vraiment quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, sans modification, sans trop de flashy, les gens ont accroché. Donc aujourd'hui, les gens aiment bien ça. Les gens aiment bien ce marketing authentique parce que tellement les gens font du fake, tellement les gens sont dans le flashy, que lorsque tu es authentique, lorsque tu es naturel, lorsque tu fais des choses de manière naturelle et authentique, les gens te suivent. Les gens ressentent quelque chose. Et avoir un marketing inclusif, c'est quoi? Parce que j'ai parlé d'authenticité et d'inclusivité. Un marketing inclusif dans le sens où, si tu as une marque qui ne s'adresse pas que à une communauté spécifique de personnes, inclut le maximum de personnes. Par exemple, on prend une marque qui est destinée, des produits cosmétiques pour des peaux noires. Essaie de mettre, par exemple, toutes les carnations de peau dans tes catalogues ou dans tes publications ou sur tes photos. Tu vois, inclut tout le monde. Quand les gens se sentent inclus, ils ont envie d'acheter ton produit parce que tout le monde se retrouve. Mais si tu as une marque, par exemple, qui est pour des peaux noires et que tu mets que des personnes très foncées, ou bien que tu mets que des personnes très claires de peau, attention, les gens ne vont pas se sentir inclus. Du coup, ton image de marque, ton branding sera un peu contraire à ce que toi-même tu aimerais. Donc, un marketing inclusif d'exemple, un exemple de marketing inclusif, c'est la marque de Rihanna, Fenty. Non, pas Fenty, autant pour moi, c'est... oui, même Fenty aussi, mais c'est plus la marque Savage, sa marque de lingerie. Je ne sais pas si vous connaissez. Avant sa marque, l'industrie de la lingerie était prédominamment des femmes minces, des femmes très 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 fines. Et Savage de Rihanna est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ravagé le marché parce qu'elle a inclus les personnes de grande taille dans ses produits, dans ses gammes de produits. Tout simplement en faisant ça. Donc, le fait d'inclure toutes ces personnes-là dans sa marque a fait une grosse différence parce que les gens étaient trop habitués à voir toujours des filles minces, des filles taillées dans les magazines et tout. C'était ça le standard de beauté. Elle est venue changer le standard de beauté. Donc, quand tu vas créer cette inclusion, Adidarchi, j'ai vu ta demande, je vais répondre après la présentation, d'accord? Donc, c'est 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses, appels et tout, comme vous voudrez. Donc, je reviens au point de l'inclusivité. Lorsqu'elle a inclus d'autres personnes, veut dire d'autres types de femmes dans ses produits, ça a créé un boom dans l'industrie de la lingerie. Donc, c'est la même chose que tu peux adapter à ton produit ou à ton service.
faire marketing inclusif. S'ils sont des gens de toutes couleurs, mets les gens de toutes couleurs dans tes photos, dans tes publications. Et les gens ont compris ça de plus en plus aujourd'hui. Hein. Donc, fais la même chose pour ton produit, fais la même chose pour tes services ou pour toi-même. Et tu verras vraiment la différence. Donc, c'est ça le premier point. Marketing authentique et inclusif. Et n'oublie pas, bien sûr, que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Hein. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est clair. Mais il faut que si tu as défini ta cible, que tous les éléments ou les personnes de ta cible se sentent inclus dans tes, dans ta communication. Deuxième point. Le deuxième point, c'est de créer une expérience. Pour avoir une marque qui se démarque des autres, j'aime bien les jeux de mots, il faut avoir une marque qui, a, qui crée une expérience chez l'utilisateur, une expérience positive chez l'utilisateur. Et l'expérience, ce n'est pas seulement pendant que ton client a le produit. L'expérience, c'est aussi avant, pendant et après qu'il ait le produit. L'expérience avant, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu communiques? Comment est-ce que tu fais ta publicité? Est-ce que c'est une publicité qui est agressive, qui est trop, trop présente? Comment est-ce que tes prospects se sentent, en fait? Imagine, demande-toi, pose-toi cette question, en fait. Comment tes prospects vont se sentir? Et le pendant, c'est pendant que ton prospect utilise le produit, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Si, par exemple, tu vends des vêtements, peut-être ton vêtement, le pendant, ça va être la sensation de douceur de tes vêtements. Peut-être que ton vêtement est élastique alors que d'autres ne sont pas élastiques. Peut-être qu'il y a, tu vends un soutien où il n'y a pas d'armature alors que d'autres vendent des soutiens avec des armatures. Ça, c'est l'expérience du pendant. L'expérience du après, c'est qu'est-ce que tu dis à tes clients après qu'ils aient acheté tes produits? Est-ce que tu les laisses tomber et puis c'est fini, c'est bon, ils ont payé? Ou bien est-ce que tu essaies de faire un service après-vente? Tu essaies de leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé du produit, avoir des enquêtes de satisfaction et tout. Ça, c'est important. Ça fait partie de l'expérience client et c'est ça qui va différencier ta marque des autres marques. Donc, il y a le avant, le pendant et le après. Tout ça, c'est l'expérience. Imagine un peu, je ne parle même pas imagine, quand tu vas souvent dans, un, dans une boutique Apple ou une boutique Samsung, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont agréables. En tout cas, dans mon expérience, hein, les gens sont agréables. Quand tu arrives, on t'accueille bien. Avant que tu n'ailles dans la boutique, là, tu sais déjà ce que tu veux acheter. Ou bien tu sais que tu as vu une publicité, je ne sais où, où quelqu'un t'a parlé de ce téléphone, de ce iPhone que tu veux acheter. Et ça, c'est l'expérience avant. Et l'expérience pendant, c'est quand tu arrives dans la boutique. Quand tu arrives dans la boutique, tu es bien accueilli. Tu vois, c'est très beau, c'est propre, c'est organisé et tout. Et le après, c'est quoi? Le après, c'est quand tu utilises ton produit, on t'envoie des enquêtes de feedback, on te demande si le produit est bien. En fait, tu réponds à des sondages et tout. Ça, c'est l'expérience. Ils ont créé toute une expérience pour le client. Et essaie de faire la même chose pour ta marque. Je voulais prendre un autre exemple, mais ça m'a un peu échappé. Mais quand ça reviendra, je vous dirai. Donc, il y a des marques comme ça. Si vous en connaissez, dites-moi dans le nom. Des marques qui vous ont fait avoir de belles expériences. Qui vous font avoir de belles expériences avant, pendant et après. Et aussi, il y a des marques qui nous font avoir de très mauvaises expériences. Dans des marques, quand tu, même pendant le avant d'abord, tu es déjà déçu de la marque en fait. Le avant déjà te déçoit. Et ça, c'est très mauvais pour l'image de cette marque. Donc, c'est un peu le cas de certains restaurants. Moi, je me rappelle, il y avait un restaurant, j'étais allée un jour. Tu arrives, la serveuse te salue pas, te dit pas bonjour et te remet le menu. Après, quand elle fait une erreur et que tu veux qu'elle change de ce que tu as commandé, ce qu'elle t'a apporté, ça devient un problème. Elle est désagréable et tout. Et ça, c'est une expérience très désagréable qui fait que le client ne revient plus jamais. Il ne revient plus jamais dans ce restaurant. Il ne peut même pas recommander ce restaurant et il va faire de la mauvaise pub. Donc, il faut toujours penser à cette expérience avant, pendant, après. Qu'est-ce que mon client va ressentir? Ça, c'est la question à te poser. Troisième point. Troisième astuce pour avoir une bonne image de marque, pour élever ton image de marque en 2021, c'est d'être régulière. La régularité, c'est la clé, c'est vraiment important. Surtout en termes de transformation digitale, marketing digital. Toutes les marques qui sont connues ont une régularité de publication, ont une régularité de contenu. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur leur newsletter ou peu importe. Essaye d'être régulière sur une plateforme, pas sur toutes les plateformes, hein, mais essaye d'être régulière au moins sur une plateforme, la plateforme la plus pertinente pour ton business.
Si par exemple tu vends des services de coaching pour des entreprises, tu vas être sur LinkedIn. Donc tu vas publier régulièrement des publications sur ces entreprises-là, les problématiques de ces entreprises. Si par exemple tu vends, je ne sais pas, des produits cosmétiques, essaie d'être régulière sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, ou sur Facebook. Ça, ce sont des plateformes où ça marche bien. Ou même sur Pinterest, tu choisis une plateforme, au moins une, où tu sais que tu vas être régulière, tu vas poster régulièrement. Je parle beaucoup de la régularité parce que c'est très important. Pareil, même la page de Femme Entrepreneur Instagram, lorsque j'ai commencé à être vraiment régulière sur la publication, donc j'ai décidé de payer une assistante qui va publier régulièrement sur la page Instagram, j'ai vu une grosse différence. Le nombre d'abonnés a grimpé, les interactions sont superbes et tout. Et tout ça, c'est à cause de la régularité. La qualité, c'est bien, mais la régularité, c'est encore mieux, franchement. Et la régularité, ça peut aussi être dans ta newsletter. Si tu as une newsletter, ou bien si tu as des clients qui ont déjà acheté chez toi, tu peux leur écrire de temps en temps pour leur faire pour leur parler de tes offres de produits, les promotions que tu fais, les jeux concours que tu organises, je ne sais pas moi, mais il faut qu'ils aient toujours ta marque à l'esprit. Ok? Donc ça, c'est le troisième point. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est assez simple, c'est la régularité. Et s'il y a un outil que je te recommande pour avoir de la régularité sur les réseaux sociaux, c'est Planoly. C'est celui que j'utilise et c'est celui que je trouve vraiment top. Après, il y a d'autres outils que vous pouvez aussi utiliser comme Hootsuite. C'est Hootsuite, je pense. Hootsuite. Planoly, c'est Planoly. Donc, ces deux outils permettent de programmer vos publications bien à l'avance, ce qui permet d'être très régulière. La troisième astuce, mes chères femmes entrepreneurs, pour être régulier ou régulière sur les réseaux sociaux, je veux dire, pour avoir une meilleure image de marque, je perds la tête avec la régularité, franchement, excusez-moi. La quatrième astuce, c'est d'avoir en anglais, on l'appelle des user-generated content, ou plutôt du contenu généré par des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? De nos jours, les gens sont beaucoup plus influencés par les contenus que d'autres personnes ont créé sur un produit. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent payer des influenceurs qui vont utiliser le produit et faire des vidéos de témoignages, des vidéos unboxing par exemple, plutôt que de payer une agence de marketing qui va créer une vidéo quelconque pour le produit, tu vois. Donc, essaie un peu de créer du contenu généré par utilisateur pour tes produits. Ça aura beaucoup plus d'impact et ça va te créer beaucoup plus de visibilité pour ta marque. The user-generated content, ce sont les contenus, par exemple, comme des témoignages de tes clients ou de tes prospects, des gens avec qui tu as travaillé, des vidéos d'influenceurs qui utilisent ton produit ou qui testent ton produit. Donc, tu peux offrir des produits gratuits à un influenceur ou à un micro-influenceur pour qu'il fasse une vidéo témoignage, une vidéo de test, une vidéo de unboxing. Ça peut aussi être, par exemple, des hashtags, un hashtag pour ta marque. Donc, tu vas décider, par exemple, de créer un hashtag unique pour ta marque et d'inciter les gens à utiliser ce hashtag-là chaque fois qu'ils postent une publication avec ton produit, par exemple. Et toi, ce que tu vas faire, c'est de relayer leur post sur tes stories ou sur ton feed à chaque fois qu'ils mettent ton hashtag. Donc, le moyen le plus simple, c'est celui-là, vraiment, d'avoir ton hashtag. Un exemple très intéressant d'une marque qui fait ça, c'est la marque Wayfair Home. C'est une marque de décoration intérieure. Donc, ils ont carrément un hashtag qui est devenu populaire sur Google, quoi. Parce que c'est un hashtag qui est beaucoup utilisé et ça fait partie de leur stratégie pour avoir une meilleure image de marque. Donc, crée ton hashtag aujourd'hui si tu n'en as pas encore un. Et incite les gens à l'utiliser en partageant à chaque fois les gens qui l'utilisent sur tes stories ou sur ton feed Instagram ou sur ton feed Facebook. Ok, ça est une astuce qui est assez facile à appliquer, que tu peux appliquer dès aujourd'hui même. Ça peut marcher très bien et après quand tu as assez de budget, quand tu as assez de ressources, n'hésite pas à payer des gens, des influenceurs par exemple, qui vont utiliser ton produit et faire des témoignages, faire des unboxings, faire des vidéos, voilà, tout simplement. Même quand tu as des clients qui ont acheté ton produit, n'hésite pas à les recontacter pour leur dire que, allô, voilà, vous aviez commandé un produit chez nous et tout, est-ce qu'on peut avoir
votre témoignage sur le produit? Est-ce qu'on peut avoir votre témoignage sur tel accompagnement? Est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo pour répondre à telle ou telle question? C'est très important de le faire à chaque fois. Et bien sûr, demander la permission, si c'est un client, demander la permission de publier cette vidéo-là ou de publier ce témoignage-là sur vos plateformes. Très important la permission. Ça, c'était la quatrième astuce, mes chers. On est presque au bout. Après, vous pourrez poser toutes vos questions, m'envoyer des demandes pour qu'on discute ensemble. Je serai ravie de le faire. La dernière astuce pour élever ton image de marque en 2021, c'est de créer des événements. C'est un peu difficile avec la situation actuelle, c'est vrai, mais fais-le en ligne. Crée des événements en ligne. Crée des événements qui vont rassembler des gens pour interagir avec ta communauté. D'accord? Parce que si tu vois tes abonnés juste comme des potentiels clients, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu auras de faibles interactions. Les gens ne vont pas vraiment être connectés à ce que tu fais. Mais si tu vois tes abonnés comme une communauté, comme ta tribu en fait, je veux dire tes gens, tu auras beaucoup plus d'interactions, tu auras beaucoup plus de personnes qui ont envie de partager ton contenu, de personnes qui ont envie de parler de toi ailleurs, de parler de tes produits, de tes services, d'accord? Et c'est pour faire ça, il faut que tu crées des événements, soit en ligne, soit en présentiel. En présentiel, ça a beaucoup plus d'impact, c'est vrai, mais vu que ce n'est pas très possible dans certains endroits, tu peux le faire en ligne en créant des directs, en faisant des lives comme celui que je suis en train de faire, en faisant des jeux concours, ok, où tu offres des produits, où tu offres des formations, tu offres un coaching, voilà, tu crées des choses comme ça en créant par exemple tu crées ta carte de visite et ta plaquette commerciale si tu fais un événement en présentiel, où tu vas pouvoir partager ta carte de visite, tu vas pouvoir partager ta plaquette commerciale, où tu vas pouvoir partager quelque chose que tu offres gratuitement, tu vois, pour que les gens juste accrochent à ta marque, qu'ils sachent que c'est pas juste, tu es pas juste là pour faire de l'argent, mais tu es là pour avoir une communauté, tu es là pour aider des gens, tu es là pour avoir un impact. Ça, c'est le but de l'événement. Là, je fais pas ce direct parce que je veux que vous achetiez quelque chose à la fin. Non, je n'ai rien à vous vendre. Je fais ce direct juste pour vous aider. Je fais ce direct pour vous apporter ce que je sais. Je fais ce direct pour répondre aux questions que j'ai reçues plein de fois. Donc voilà. Et c'est aussi un moyen d'élever la marque de femme entrepreneur Mag. D'accord? Donc j'ai terminé avec les 5 astuces. J'espère que je n'ai pas dépassé les 30 minutes. Je suis même dans les temps en plus. Donc je vais faire un petit récapitulatif de toutes les 5 astuces que j'ai citées pour que celles qui sont venues un peu en retard ou qui veulent prendre des notes puissent le faire. La première astuce que j'ai mentionnée, c'était de faire un marketing authentique et inclusif. Authentique dans le sens où tu restes toi-même, tu n'essayes pas de faire trop de perfectionnisme dans ce que tu fais. J'ai donné l'exemple de la marque Glossier, par exemple. Et le marketing inclusif, ça veut dire que tu vas représenter toutes les personnes qui sont dans ta cible, dans ta communication. Donc, si tu vends des produits, par exemple, destinés aux peaux noires, ne mets pas juste des peaux trop foncées ou des peaux trop claires sur tes produits, mais tout le monde, inclut tout le monde. Si tu vends des produits destinés aux femmes, ne mets pas juste des femmes très minces, très fines, mais des femmes de toutes les tailles dans ta communication, dans tes visuels. Donc c'est ça le marketing inclusif. Et un exemple que j'ai donné, c'est la marque de Rihanna, sa marque de cosmétiques et même sa marque de lingerie. Elle a très bien fait ça, très bien fait ça. Et aujourd'hui, sa marque est ce qu'elle est. Bien sûr, c'est Rihanna, mais c'est vrai. Mais après, il y a une stratégie derrière. Et la deuxième astuce que j'ai donnée, c'était de créer une expérience. L'expérience a 3 étapes. L'expérience avant, l'expérience pendant et l'expérience après. Qu'est-ce que tes clients vont ressentir pendant toutes ces étapes de leur parcours? Donc, lorsqu'ils ne connaissent pas encore, bien lorsqu'ils n'ont pas encore acheté ton produit, qu'est-ce qu'ils pensent de ta marque? Ça, c'est l'expérience avant. Lorsqu'ils achètent ton produit, qu'est-ce qu'ils pensent de ton produit? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir avec ton produit? Si c'est un produit physique surtout, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ton produit? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi si c'est un produit digital? Après, c'est l'expérience après, c'est qu'est-ce que tu fais dès que les clients ont acheté ton produit? Est-ce que tu les laisses tomber? Ou est-ce que tu vas vers eux pour demander s'ils sont satisfaits, pour faire des enquêtes de satisfaction, pour savoir s'ils peuvent te laisser un témoignage ou juste te dire s'il y a des améliorations à faire ou autre. D'accord? Ça, c'est la deuxième astuce. Créer une expérience dans tes produits, pour tes clients, tout simplement. La troisième astuce, qui est l'astuce la plus évidente, c'est d'être régulière. Sois régulière dans ton contenu, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur ta newsletter
ou sur autre chose, sur ton site web, sois régulière sur au moins une plateforme. Parce que le but n'est pas d'être régulière partout, de dominer les réseaux sociaux partout. Le but, c'est de dominer sur une plateforme. N'essaie pas d'être populaire partout, ça ne marchera pas. Et la quatrième astuce, c'était de créer des user-generated content, donc le contenu généré par les utilisateurs. Ça va être du contenu comme des témoignages, ça va être des vidéos que des micro-influenceurs ou des influenceurs vont faire. Bref, des gens autres, des personnes en fait qui ne sont pas forcément des personnes que tu as payées pour qu'ils le fassent, tu vois. Ça c'est du contenu qui est intéressant pour vendre facilement. Parce que si je fais une vidéo par exemple de ton produit et que je dis voilà, wow, ce produit est bien, je l'apprécie, j'apprécie vraiment ton produit, ça va t'apporter des ventes. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a créé quelque chose, qui est connue par exemple, qui a fait une vidéo sur ton produit sans que tu l'aies payé pour le faire. D'accord? Ça a de l'impact. Et tu peux aussi, tu es la personne, tu peux aussi envoyer tes produits gratuitement à des influenceurs ou à des micro-influenceurs qui seront ravis de faire des vidéos pour ça. Ça marche toujours. Donc, tu vas avoir des gens qui ont entre 10 000 et 30 000 abonnés sur Instagram. Tu leur dis, voilà, je fais ci, ci, ça, je trouve que ton profil est adéquat et tout. Est-ce que tu peux faire une vidéo d'unboxing de mon produit et je te l'envoie gratuitement? 80% vont accepter de le faire. Essaye, tu me diras. 80% vont accepter de le faire. Et la cinquième et dernière astuce, c'était de créer des événements online ou offline. Donc, offline, ça veut dire que c'est physique. Donc, tu vas aller à des événements avec ta plaquette commerciale, avec tes cartes de visite, avec quelque chose à offrir, peut-être des échantillons de ton produit oui, de ton produit. Des événements online, ça va être des lives, des directs que tu fais comme ça, des masterclass, tu vois, de faire des choses qui vont réunir des gens vers quelque chose, qui vont réunir ta communauté. Parce que ce n'est pas juste des potentiels clients qui te suivent, c'est aussi une communauté de personnes qui aiment ce que tu fais, qui t'apprécient toi-même, parce que la personne qui est derrière a aussi un impact. Et c'est aussi des gens qui veulent parler, qui peuvent parler de ta marque ailleurs. Donc, fais des événements, ça c'était la cinquième astuce. Et voilà, le bonus que je peux dire, c'est de simplement penser grand. Si tu veux avoir une marque qui se démarque des autres, pense toujours grand. Think big, ok? Pense grand, inspire-toi des meilleurs. Va voir des grandes marques. Par exemple, je t'ai parlé de Fenty, de Rihanna, je t'ai parlé de Glossier, je t'ai parlé de la marque qui a créé son hashtag qui est devenu populaire sur Google, Wayfair Home, cette marque de décoration intérieure. Donc, inscris-toi des marques comme ça qui sont vraiment au top du top et prends ces idées-là pour les adapter à ta marque, à toi. Ok? Donc, maintenant, je vais répondre à vos questions. Posez-moi toutes vos questions. Et si vous voulez me rejoindre dans le live, n'hésitez pas. Envoyez-moi une demande et vous me rejoignez dans le live. Donc, je vais monter un tout petit peu pour lire la question. Il y a Isabelle qui demande merci. Merci en tout cas pour cette vidéo constructive. Bienvenue à ta part. Merci Isabelle. C'est merci à toi. Sensuality dit, à chaque fois que tu fais des lives, je prépare mon carnet. C'est super, il faut le faire hein, parce que ça va vite. Pour préparer le carnet. Et je répète que le replay sera disponible 24 heures, pendant 24 heures après. Donc, vous pourrez le regarder encore en entier. Rosemary demande, masterclass signifie? La masterclass, c'est une classe en fait. C'est comme un cours que tu fais pendant une à 2 heures, que tu donnes pendant une à 2 heures à tes abonnés. Donc, ça va être par exemple sur une plateforme, soit, comment on appelle ce genre de plateforme? Un peu comme ClickFunnels, Webinar Jam, ou alors ça va être une masterclass que tu donnes carrément sur Instagram, quoi, en live comme je le fais. Tu as ton tableau, là. Sauf que la masterclass est elle est beaucoup plus spécifique sur un sujet. Donc là, tu vas avoir une présentation, des PowerPoints par exemple à présenter, contrairement à juste un direct comme ça que je suis en train de faire, quoi. La masterclass est spécifique. Vous n'avez pas de questions, voilà, ça veut dire que j'ai été très claire, c'est super. Pas de questions. Donc je remonte. Oups. Voilà, il y a Isabelle qui voulait rejoindre le direct. Donc si tu veux toujours rejoindre le direct, c'est le moment, n'hésite pas. Merci Isabelle, bonne fin de journée à toi.
prépareras les questions pour le prochain live. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a le karma d'Emma qui dit « Première fois que je suis en été direct et c'est vraiment sympa. Merci, merci. Je suis contente que vous ayez aimé. Je suis vraiment contente. » Mademoiselle Draman, bisous à toi aussi. Ok, Sensuality Woman a fait une demande. Donc Sensuality Woman, je suis en train de t'accepter sur le live. J'espère que ça va marcher. Bonjour, bonjour Isis. Bonjour Sensuality Woman, comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup, et toi? Je vais bien, merci. Ça fait plaisir de te voir là sur le live. Oui, merci beaucoup. Mais je suis en mode pyjama à la maison. Du coup, moi, j'ai quelques remarques à faire par rapport à ce que tu as dit. Enfin, déjà, j'ai déjà fait des cours avec toi, enfin, des cours en ligne et tout. Et en plus de ça, je suis le live. Et c'est par rapport à tout ce qui est régularité. J'ai du mal. Sincèrement, j'ai vraiment du mal. J'ai déjà travaillé avec une personne qui s'occupait de tout ce qui était en ligne parce que je me suis lancée au mois d'août, mais je n'aimais pas ce qu'elle faisait, tout simplement. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Je trouvais que je le fais mieux moi-même, sauf que je n'arrive pas à être régulière. Et du coup, tu nous as dit d'utiliser Planoly et Housesuite. Pour utiliser ça, mais est-ce que c'est pas des outils difficiles à utiliser ou des trucs, enfin, ça demande pas de l'expérience ou Non, pas du tout, pas du tout. En fait, Planoly, c'est même le plus facile à utiliser. D'accord. Et avec ça, c'est gratuit d'ailleurs. Tu peux planifier plus de 30, non, jusqu'à 30 publications par mois dans leur plan gratuit. Et après, quand tu planifies, ça va en même temps sur ta page Instagram, ta page Facebook et même sur ta page Pinterest. Donc, c'est ça qui est vraiment super. Il y a plein de plateformes sur Planoly. D'accord. Vas-y. Pardon. Du coup, oui, tu as aussi parlé sur le fait d'essayer de toucher un maximum de personnes. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles ou pas de ce que je fais, mais moi, je suis dans tout ce qui est cosmétique vegan et non testé sur les animaux. Et donc, j'essaye à chaque fois de viser un maximum de femmes, en fait. Mais les clientes, enfin, la plupart des clientes que j'ai sont en fait des femmes noires. Et donc, alors que, enfin, j'essaye à chaque fois d'inclure les autres femmes, quoi, que ce soit des blanches ou des, voilà. Mais à chaque fois, c'est des noirs qui achètent mes produits, qui consomment mes produits. Et donc, j'ai du mal à. C'est pourquoi ? Ah, non, je ne sais pas. En fait, moi, je pense que c'est parce que tu fais peut-être. Tu fais souvent des lives, non ? Tu vois souvent sur les Oui, oui. Et dans tes lives, c'est qui rejoint souvent tes lives ? C'est des femmes noires ou bien des femmes blanches ? Des femmes noires. Voilà, parce que tu as une femme noire. D'accord. C'est ça, non ? Oui, oui, oui. Donc, essaye donc cette fois-ci de travailler avec une femme blanche, tu vois, peut-être. Pendant que tu fais tes lives, tu as une femme blanche qui fait aussi en même temps que toi. Par exemple, ça peut être un live à deux comme ça. Oui. Vous faites un tuto ensemble, tu vois. Okay. Là, ça inclut plusieurs personnes. Parce que quand tu viens, tu fais des lives et que c'est que toi qu'on voit, c'est normal que la femme blanche va venir, va se dire que bon, c'est peut-être pas pour moi. D'accord. Même si dans ta communication, tes posts et tout, elle voit que tu sais d'inclure les femmes blanches, les femmes à la peau blanche. Mais c'est toi seul qu'on voit dans les lives à chaque fois. On va se dire que bon, ce sont ces produits qui vont à son type de peau, quoi. D'accord. Donc, l'idée serait de faire avec une femme blanche. D'accord, c'est noté. Donc, essaie de trouver une femme dans ton entourage. Génial. Tu me dis si ça marche. D'accord, parce qu'à chaque fois, j'essaie de me demander le pourquoi, du comment. Je n'arrive pas, en fait, à m'adresser à eux. Et à chaque fois, je me dis, mais il y a un truc que je fais mal ou je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. À chaque fois, j'essaie de me remettre en question, de me demander ce que je ne fais pas bien. Mais je n'arrivais pas à voir ce point-là. D'accord, en tout cas, je l'ai noté, en grand en plus. Et là, je le souligne. Génial. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'en prie. Merci à toi de nous suivre. Merci. Puis, passe une bonne journée. À la prochaine. À la prochaine, oui. Merci. Bonne journée à toi. Bisous. Planoly. Ouais.
Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut rejoindre le live ou bien c'était tout clair pour tout le monde? Ah, j'ai des questions sur Facebook. Il y a Fabiola qui demande comment fais-tu pour recruter des personnes qui comprennent la vision de ton projet? Ça, c'est une question difficile, hein, franchement. C'est pas évident de recruter les personnes qui comprennent la vision. Bon, ce que je fais personnellement, c'est que déjà, je n'ai pas recruté quelqu'un. Disons que je travaille avec une agence d'assistance. Ils m'assistent dans ce que je fais. Et je leur ai donné un mois d'essai. Donc, quand ça ne marche pas pendant un mois, on se sépare. Je cherche quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est d'avoir déjà des gens. Quand tu communiques avec eux, est-ce que tu sens que le message passe bien ou est-ce que tu sens qu'ils sont un peu perdus? Est-ce que tu sens qu'ils ont déjà les compétences? Il faut avoir les compétences pour le faire. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec des marques similaires à ta marque ou des gens qui ont des produits similaires à ce que toi tu vends? Oui ou non? Ça, c'est important aussi. Après, il faut te demander si la personne est là beaucoup plus pour l'argent ou bien pour apprendre. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas les recruter, ils se disent que bon, ils savent tout et ils sont juste là pour faire ce qu'ils ont à faire et avoir leur argent. Et après, il y a aussi des gens qui se disent que non, je veux aussi apprendre, je veux grandir dans ce que je fais. Du coup, ce genre de personnes-là sont beaucoup plus intéressantes à recruter. Donc, regarde aussi cet aspect-là. Mais en gros, tu peux pas avoir de garantie que tu vas trouver la personne idéale à 100% sûre qu'elle va pas te décevoir, tu vois. Essaie toujours de donner une chance, une période d'essai. Quand tous les critères précédemment cités sont réunis, tu donnes une période d'essai et quand ça marche pas, et puis tu me dis que bon, je suis pas satisfaite de ton travail, du coup, je lui donne un préavis et puis vous séparez. D'accord? Moi, ça fait 4 mois que je travaille avec cette agence d'assistance et ça se passe plutôt bien. Avant ça, j'avais travaillé avec d'autres assistantes virtuelles, mais je n'étais pas satisfaite, tu vois. Je sentais qu'elles étaient beaucoup plus là pour l'argent. Elles se disaient qu'elles savent tout, que je n'ai rien à leur apprendre. Du coup, ça ne marchait pas. Mais on s'est séparés. Conseil de livre pour le branding. Merci. Un livre pour le branding. Je te dirais ça dès que ça me vient en tête. Parce que là, je n'ai pas vraiment de livre en tête. Un livre pour le branding. Pourtant, je connais un livre qui est plutôt bien. Je te dirais ça, Artesol, dès que ça me vient en tête. Combien de temps pour réussir? Pour réussir quoi exactement? Pour réussir quoi exactement? Si tu parles des différentes astuces, genre si tu appliques les 5 astuces que j'ai données, combien de temps pour réussir? Ça dépend aussi, hein, ça dépend. Va te donner une garantie. Si tu commences à appliquer par exemple ton hashtag, c'est-à-dire si tu crées un hashtag pour ta marque et que tu es vraiment suivi, déjà ça dépend de ta situation initiale, tu vas facilement avoir plus de gens qui vont te suivre, tu vas facilement avoir une plus grande marque. Si tu as un bon budget pour payer des influenceurs qui vont faire du user generated content pour toi, ça va encore aller plus vite. Donc ça dépend vraiment de ta situation initiale et de ton budget. Et franchement, je parlais du branding dans le fond et pas dans la forme parce que je suppose que la forme, ce sont des choses dont on parle déjà partout. Donc, avoir une charte graphique, avoir des visuels de qualité, avoir, je sais pas moi, des belles couleurs, une cohérence dans ta communication, etc. Ça, c'est la forme, en fait. Donc, il faut aussi voir au fond ce que tu dois améliorer. Question de Nad Week Styler. Bonjour, Réoui. Est-on obligé de faire appel à un coach commercial pour nous aider à grandir dans notre activité? Non, c'est pas obligé. Qui a dit que c'était obligé? Non. Tu peux grandir dans ta communauté sans faire appel à un coach commercial. Par contre, la nuance, c'est que toi-même, tu dois savoir vendre tes produits. Tu dois aimer vendre tes produits. Il y a des gens qui n'aiment pas vendre. Et ça, c'est dommage. Si tu sais pas, si tu as peur, par exemple, de prendre ton téléphone pour appeler un client et tout, pour démarcher, pour prospecter et tout, ça veut dire que tu n'es pas vraiment un entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur de vendre. Dis-toi que quand tu vends, ce n'est pas comme si tu forçais les gens, mais c'est plutôt parce que tu sais que tu leur apportes une plus-value dans leur vie. Tu vois? Donc, tu leur rends service. Tu n'es pas en train de les forcer. Donc, pas besoin d'avoir un coach commercial, mais il faut que tu apprennes à vendre tes produits. Tu apprennes à vraiment être à l'aise avec la vente. Et pour ça, il y a des livres. Il faut lire des livres sur la vente. Ça aussi, je vous dirai le nom des livres. Je crois que je vais faire carrément une liste de livres que je recommande pour le marketing et la vente.
Question, aurais-tu des astuces pour attirer des nouveaux clients? Ah, c'est ce dont j'ai parlé dans mon dernier direct, je crois, avoir plus de visibilité. Mais autre chose que je dirais, c'est du marketing. Fais ton marketing digital. Si tu es essentiellement en ligne, fais ton marketing digital. Tu peux sponsoriser des publications. Tu peux apporter quelque chose de gratuit. Donc, 80% de gratuit, 20% de payant. Quelque chose de gratuit pour que les gens s'abonnent, te suivent. Et après, tu leur proposes quelque chose de payant. Ce que tu peux faire aussi, c'est du user-generated content. Ça marche très bien. Genre, envoyer tes produits à des influenceuses qui vont tester tes produits ou bien qui vont faire des vidéos de unboxing, qui vont mettre des... Genre, je sais que tu fais du maquillage, du maquillage non toxique. Donc, elles vont mettre ton maquillage sur elles, elles vont faire des photos, elles vont partager sur leur story, sur leur feed et tout. Ça va t'apporter de la visibilité et par conséquent des clients. Tu peux même leur donner des codes promotionnels, tu vois. Si tu vends en ligne, bien sûr, si tu as un site internet, tu leur donnes des codes promo qu'elles vont promouvoir et comme ça t'apporte plus de visibilité. Ou bien tu peux leur proposer de faire un concours sur leur page en échange de ton produit et tout. Il y a plein d'idées comme ça pour avoir de nouveaux clients sur les réseaux sociaux, franchement. La question de Jume Jeudori, comment augmenter son audience sur les réseaux sociaux quand on n'est pas en contact avec les influenceurs? Comment si on n'est pas en contact avec les influenceurs? Tu contactes les influenceurs. Mais pour augmenter son audience, je l'ai dit dans le dernier direct que j'avais fait sur la visibilité, il y a plein d'astuces. Mais la clé, déjà la base, commence par avoir une régularité dans ton contenu. Commence par publier du contenu de qualité. Et aussi, essaye d'avoir toujours avoir un hashtag, comme je l'ai dit, un hashtag que les gens vont utiliser pour partager ton contenu, pour t'identifier sur les publications, etc. Ton audience aussi, ce sera les hashtags ciblés. Donc, j'avais dit comment trouver les bons hashtags pour tes publications. Ça, c'est une astuce aussi dont j'avais parlé dans mon précédent direct. Après, tu peux aussi faire des publications sponsorisées, mais ça, je ne le conseille pas au début. Donc, c'est quand tu as déjà fait toutes les premières astuces faciles, gratuites, que tu peux te permettre de commencer à sponsoriser tes publications, à payer des Instagram ou Facebook pour plus de visibilité, quoi. Après, les influenceurs, comme je l'ai dit, il y en a qui vont accepter, 80% des micro-influenceurs vont accepter de recevoir ton produit gratuitement en échange d'une vidéo, d'accord? Certains vont même te contacter pour te dire, est-ce que je peux parler de ton produit? Parce que eux-mêmes aussi, ils veulent avoir quelque chose à proposer à leur communauté. Ils veulent se sentir utiles à leurs abonnés. D'accord? Donc, si tu viens, tu leur offres ton produit gratuitement. Eux, ils font une publication. Ils disent que voilà, telle marque m'a envoyé tel produit et tout. Tout le monde est gagnant. D'accord? Donc, c'est sur Instagram que tu les contactes. Si certains laissent leur adresse mail, contacte sur les adresses mail. Je vous en prie. Alors, super, merci pour la liste de livres. Ok, je ferai la liste de livres. Peut-être que je ferai un post Instagram avec la liste des différents livres que je recommande. D'accord, je ferai ça. Pour le concours sur leur page, je n'y avais pas pensé. Voilà, c'est une idée. Pour le faire. Do it. Donc, les concours qui disent souvent, si tu veux gagner le produit, abonne-toi à la page. C'est une Sanity Woman, abonne-toi à ma page et tag trois amis. Tout simplement. Tu vas voir que tu auras plein d'abonnés d'un coup. Elle aussi, elle aura plein d'abonnés. Tu auras des nouvelles personnes qui vont connaître ton produit et ta marque. Tout le monde est gagnant. Et après, il y aura un gagnant qui va gagner ton produit gratuitement. Voilà. Que penses-tu de WordPress? WordPress, c'est bien pour créer des sites, ouais. WordPress, c'est bien. WordPress combiné avec l'extension WooCommerce permet de créer des sites de e-commerce. Après, il y a aussi Shopify qui est bien, les sites. Parce que Shopify, c'est plus facile. C'est pour les personnes qui n'ont pas vraiment de compétences techniques. Par contre, WordPress, c'est bien pour celles qui savent un peu comment manipuler WordPress, quoi. Donc voilà, c'est plus facile avec Shopify. Mais WordPress, c'est bien. comment trouver les hashtags? Bon, exceptionnellement, je vais redire la technique que j'avais expliquée pour trouver les bons hashtags. Aux publications. On est dans deux cas de mesure. Le premier cas, c'est lorsque je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Disons que j'ai entre 0 et 10 000 abonnés. Comment je fais pour trouver les bons hashtags pour mes publications? Ce que je vais faire, c'est aller chercher les hashtags qui ont entre 0 et 100 publications. Je vais lister tous ces hashtags.
je vais faire des groupes de 10 hashtags. Donc, il faudra qu'au total, j'ai 30 hashtags. Donc, je vais faire 3 groupes de 10 hashtags qui ont entre 0 et 100 publications. Il ne faut pas les hashtags qui ont trop de publications, sinon tes publications seront noyées. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le premier groupe de hashtags, je vais le mettre dans une publication. La deuxième publication que je vais faire sera avec le deuxième groupe. Troisième publication avec le troisième groupe. Et je vais voir la publication qui fonctionne le plus. Je vais tester. Ça, c'est le testing. Et quand je vais voir celle qui fonctionne le plus, je pourrai déduire le groupe de hashtags qui est le plus efficace. Et c'est dans ce groupe-là que je vais retenir les hashtags que je vais utiliser pour mes prochaines publications. Donc, à force de faire comme ça, à force de tester ainsi de suite, 10 hashtags à chaque fois, tu vas savoir quels sont les bons hashtags pour tes publications. Tu peux même décider de tester différents groupes, des groupes plus petits, hein, des groupes de 5 hashtags, 5, pour voir ce qui apporte le plus d'engagement, le plus d'enregistrement, le plus d'abonnement, le plus de likes, etc. Donc, c'est ça. Maintenant, si tu as entre 10 000 et 100 000 abonnés, ou même entre 10 000 et 50 000 abonnés, tu peux prendre des hashtags qui ont entre 100 et 1000 publications. D'accord? Une fois que tu auras entre 50 000 et 100 000 abonnés, tu pourras prendre des hashtags qui ont entre 1000 et 10 000 publications. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, parce que tu sais que là, tu vas te démarquer. Tu vas pouvoir te démarquer de toutes les publications de ces hashtags. Je ne sais pas si c'est clair. Dis-moi si c'est clair, Fafa et Beauty Shop. Donc, c'est comme ça que tu trouves, en fait, des hashtags pour les publications. C'est comme ça que tu trouves les bons hashtags. Et c'est un testing continuel. Tu continues à tester. À un moment donné, tu verras qu'il y a un groupe spécifique de hashtags qui, quand tu les postes, quand tu publies avec, ça t'apporte de la visibilité, ça t'apporte des abonnés, ça t'apporte des likes et tout. Et ce qui est bien avec Instagram, c'est que tu peux voir dans les statistiques de tes publications si ce sont les hashtags qui t'ont apporté plus d'interactions ou plus de portée, ou si ce sont si c'est Instagram Explorer dans la page d'accueil d'Instagram qui t'a apporté cette visibilité. En fait, tu peux voir d'où vient la portée de tes publications. Est-ce que c'est les hashtags ou est-ce que c'est la page d'accueil ou est-ce que c'est les partages ou c'est quoi? Donc, tu cliques juste sur le lien « Voir les statistiques » à gauche, de tes publications. Tu verras ça. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Sur Facebook, il n'y a pas de questions, d'accord? Il y en a qui viennent d'arriver. Ouf. Coucou à Daniel. On est presque à une heure de direct. Si vous avez des questions, posez-les maintenant ou taisez-vous à jamais. Non, je rigole. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce live et de répondre à vos questions. Je ferai une publication comme promis avec les différents livres que je recommande concernant le branding et la communication. Et n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires du direct à la fin. Il sera disponible pendant 24 heures sur replay. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez avoir des formations, on a des formations sur nos sites, vous savez déjà, donc vous allez sur femmeentrepreneur.com/formation, vous aurez toutes nos formations, vous connaîtrez aussi les programmes qu'on propose actuellement, comme tout récemment, on a lancé le programme Femmes Riches, un programme de 2 mois sur le mindset et le business à la fois, donc les informations sont également sur le lien qui est en bio. Et on propose ces formations, on propose ce coaching, cet accompagnement de 2 mois. On propose également un e-book sur la productivité. Je mettrai la liste des livres que je recommande dans la publication qui viendra après. Et ce replay sera disponible pendant 24 heures. Après, il sera plus disponible. Et je remercie toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de ce direct. Vous êtes des anges. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes de vrais entrepreneurs. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Et je vous souhaite vraiment de réussir dans votre activité, de réussir dans votre business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous, on se soutient, entre femmes entrepreneurs, on doit se soutenir. On doit vraiment être unis et non chercher à toujours se concurrencer. C'est ça le but. C'est pas juste d'être la meilleure, mais c'est d'être ensemble des meilleurs. D'accord? Donc, merci à toutes. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite et on se dit à la prochaine pour un autre live. Ce sera encore une surprise, je ne vous dirai pas quand ce sera, mais vous serez informés la veille, en avance, bien sûr.
des autres lives. Comme ça, vous pourrez préparer vos questions. Parce que là, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Soit c'est parce que ça a été trop clair, soit c'est parce que vous n'avez pas le temps de préparer les questions. Mais quoi qu'il en soit, la prochaine fois, vous serez plus préparé. Et si j'ai envie de faire un cadeau, comment je peux contacter? Envoie un message sur Instagram, un message privé. Je te dirai tout. Bien, mon assistante va répondre. Envoie juste un message. Tu auras une réponse. OK, merci à toutes. À la prochaine. Portez-vous bien. Merci pour les cœurs. Au revoir. Je vais couper d'abord sur Facebook. Au revoir sur Facebook. Portez-vous bien. Allez.